Ah ben alors, ah on est pas IRL là hein. Tu mets des tartes. On est pas IRL là hein. Tu vas faire quoi? Tu vas me faire une prise de judo? Tu vas me faire une prise de judo là? Attends, à tout moment je suis chez toi. Tu sais pas où j'habite, je t'encule. Ah tu vas quoi? Tu manques quoi? C'est bon, pardon. Reviens ici, l'âme. C'est quoi, je vais te dire la première game. C'est moi H2MZ ou peut-être encore un autre. N'en crois pas qu'on milite tous la même cause. Un peu l'actualité l'actualité de mon stream, je peux vous donner un seul indice. Ah merde. Oh attends, putain, il y a un truc sur mon écran. Non mais faut me comprendre. Faut me comprendre, sérieux. Non mais j'ai commencé le sport, les mecs. J'ai trop de testostérone dans le sang, je suis un animal. J'ai perdu. Mais ça, je me suis bien battu, non? Je suis mort niveau 13. Vous êtes niveau combien, vous? Et Loli qui est en train de taffer sur un truc qui me hype, ok? Loli taffe sur un truc qui me hype. Et en fait, vu que je suis au courant de ce qui arrive, vu que je suis au courant de ce qui arrive, et ben du coup, ça me donne moins envie de jouer au flashback actuel. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas. C'est même pas un event. C'est plus gros qu'un event. Parce qu'il y en a plein, j'étais en mode c'est Koh-Lanta. C'est ni Koh-Lanta, c'est ni une school. Bref, je veux pas vous chauffer pour rien. Mais moi perso, ça me hype. Et oui, c'est pour ça. Skyard, va mon champion. Il reste 10 secondes, les gars. Allez, on y va maintenant. Allez. Bismillah. Allez, go. Ah. Oh non. Ça va, et toi? C'est qui le gars que t'as envie de voir perdre ce soir? Je déteste tout le monde, donc tout le monde, ça. C'est sûr, mais il y en a qui en détestent plus que d'autres. Hein. Moi, franchement, je dormirais heureux s'il y a encore n'en gagne pas une seule. Hein. Okay. Oh, salut, Zerator. Let's go. Je suis dégoûté, il m'a mis un gros vent, je pense qu'il va pas mettre le jeu de même. Arrête. Ouais. Je laisse un message sur votre répondeur parce que je suis assez déçu de votre marque. En fait, je vous explique. Donc, ça fait plusieurs années que je consomme votre miel, lune de miel. Je viens de voir un reportage qui prouve que dans votre miel, en fait, il y a des détections de sucre provenant de sirop. Alors que sur votre produit, il y a écrit miel 100% pur, 100% naturel par un laboratoire qualifié. Vous avez même eu l'audace d'imprimer la tête de l'apiculteur sur le miel. Je trouve ça assez honteux de votre part. Rappelez-moi au plus vite ou bien je vais devoir faire appel à mon avocat. Je sais même pas si je peux la trouver. Ah si, c'est ça. C'est cette musique. Hélicoptère. Bon, du coup, troisième sujet, les gars, on va parler des cyborgs. Ah, ça, je connais. Voilà, les humains. C'est quoi les cyborgs? Je vais expliquer au début. En gros, les humains deviennent des cyborgs. Il a dit armes à un cyborg, c'est un mec qui a un carnet. Non, ça, c'est un cyclope. Oh merde, j'ai cassé ma tongue. Ouais, j'ai cassé ma claquette. Mais attends, mais c'est pas possible. Mais c'est du jamais vu. Mais cette claquette, elle vaut de l'or. C'est le premier prototype de la claquette JL. Non, je suis écœuré. Je suis écœuré, proto, frère. Non, je suis deg. Bon, je vais changer. J'ai vu un extrait d'une vidéo, je sais pas si ça va sortir dans un vlog ou si jamais ça va pas sortir. Mais en gros, Thomas, Loli, Bichou, Momo, ils sont partis au studio avec DTF. Désolé, je suis un peu essoufflé, j'ai couru. Et Bichou a lâché un couplet. Il est parti derrière le truc et il a commencé à rapper en impro. Mais c'était catastrophique. Hein. De toute façon, vous connaissez le niveau de Bichou, en musique. Vous l'avez vu sur le son de Billy Amine et tout. Mais il faut savoir que premier degré, les mecs. Hein, au premier degré, tout le monde dans la pièce était mort de rire pendant que Bichou rappait. Il y avait une seule personne qui ne rigolait pas. C'était l'ingé son de PNL. Il était en mode full tryhard avec son clavier, son synthé et tout, comme ça.
il faisait les accords, hop, la voix trop basse, l'autotune et tout. Il s'est dit, ce mec, c'est un artiste premier degré. Je sais pas si vous vous rendez compte du crossover. L'ingé son de PNL a bossé premier degré sur un couplet de Bichou. Quand j'ai vu ce clip, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'il est en train de faire là. Je pense pas que le son sortira un jour. Mais peut-être que la vidéo sortira. J'espère pour vous qu'elle sortira. C'est nous. On va claquer 60 euros à Disneyland. Ça scandale, tu vois. Quand on marche dans les couloirs comme ça, il y a quelqu'un. Oh, ambiance scandale. On l'a dit maintenant. Allez, même là, la maison, la grille de vin qui dit, c'est une bonne ambiance. Scandale. Let's go. Je reprends un truc. Le clip et tout, même si c'est le sujet de demain. Si Eki vient de voir, il t'envoie un DM, il te dit ouais, Nathéos, ça reste entre nous et tout. Mais si tu veux, j'ai les moyens d'augmenter ton win rate à la roulette, genre de par fois 2. Bah oui, tu dis non. Tu dis oui. Mais je dis oui, mais oui. Mais t'es carrément malhonnête. Pourquoi? Bah t'es un fils de pute. Ah non. Comment ça non? On me propose. Bah attends, on me propose de faire fois 2 sur mes gains. Monsieur, bien sûr que oui. Parce que j'allais justement t'envoyer. Merde, un attendez, DM. J'ai mon casque qui s'est débranché. Fils de pute, fils de pute, Nathéos, baisse ta mère. Ouais, frérot. Vous me disiez quoi? On disait bah t'es malhonnête. Mais pourquoi je serais malhonnête, frère? Bah je sais pas. Je me coupe pas les ponts de tout, tu vois. Genre en gros je peux me faire plaisir de temps en temps, mais juste je mange beaucoup moins gras que d'habitude. Alors t'as vu par exemple aujourd'hui j'ai mangé un domac et tout, mais par exemple hier j'ai mangé. Attends mais écoute. Bon, mon fils à 3 ans il a fait un TP, un temps plein en train de vendre de la coque. Non, c'est faux. Moi je vote faux. C'est quoi, ça. Je vais tout miser. À 3 ans, tout seul. Oh. Et il était pas là. Non, c'est faux. Qui dit que c'est faux? Non, c'est faux. C'est pas possible. Mais levez les mains, qui dit que c'est faux? C'est faux, levez la main, ce qui pense que je pense faux, qu'il y a moins. 3 ans. Qui dit que c'est vrai? Moi je pense que c'est vrai. Deux personnes, tu penses. Tout seul, il a dit tout seul, frère. Non, mais je pense que c'est son fils, il est capable. Bon, regarde, attends, je peux raconter comment je pense dans ma tête ce que t'as fait? Moi je pense, t'as posé la poussette avec le bébé dedans et t'as mis une petite pancarte. Si vous prenez de la coke, laissez un billet sur le bébé. Ah non, non. Ah, c'est lui, prenez les billets et tout. Tu m'as dit je veux un robot. J'ai dit si tu veux un robot, faut travailler comme papa. Viens voir ce que je fais pour avoir des robots moi. Il est beau. Avec moi, je l'ai posé. Je dis tiens, tu mets ça ici. Il y a un client, tu viens, tu le donnes, il te donne 20 euros, tu récupères dans la poche. Et moi, j'ai resté comme mais ça. Là, je rassure tout le monde. Il allait ça avec d'autres charbonneurs. Et eux, ça leur faisait rire de donner de la sadée, comme on dit ça à Perpignan, sadée, c'est d'accord, à un enfant. Eh non, faut pas, frère. Mais du coup, quoi, il se régalait, là. Il y a 3 robots, là, demain. Bah ouais, du coup, il a eu ses robots. Du coup, il a eu ses robots, il est content. Non, mais sa vie, c'est. Les gars, la tête à la tête. En fait, il n'y a aucun mensonge, tout ce qu'il dit est vrai. Mais ouais, c'est ça ou pas ça. S-A-M-O-S. Et ouais, j'ai tout niqué. Merci pour tout. À la prochaine. La team. A-M-O-S, c'est de la taf. Oh, nique ta mère. Le club. Continue. Ouais, t'es un bon. T'es un bon. Lâche pas, frère. Lâche rien du tout. Continue. Rap. Vas-y, finis. Vous voyez, tu sais, on est ce que l'on est. J'ai pas fini tous les regrets. Il a une vraie voix de fou. Hein. Ouais, Machallah. Voilà. Plus belle voix de France. Ah ouais? Ouais, je pense. Hein. Il est en train d'éradiquer tout ce que là, lui peut normal faire en mode. Comment ça s'appelle? Après, je sais pas, je connais. Pas mouillé, mais en mode. En mode les chants. Comment ça s'appelle le. De variété. Moi je te capte. Lui il peut frère tout arracher. Moi je vois ça. Pas mais on en. C'est vrai ou pas? Non, c'est vrai ou pas? Lourd frère. Lourd. C'est l'intention. Lourd. Parce qu'il a une vraie voix de fou. Ouais, ouais. Il la pousse. Ah ouais, carrément. Je ce que tu veux dire. Voilà, j'ai fait une vraie réflexion. Non, voilà, c'est lourd. C'était lourd. Voilà, c'était lourd. Il a dit voilà, donc c'est pas hypocrite. Bien, ouais. C'est l'intention qui est. Je suis dans Paris, au frangin, on s'est même pas quitté. Maman m'a dit de pas traîner, mais je suis dans la cité. Je t'avoue que là c'est chiant, donc on est passé au plan B. Vous êtes nombreux à nous suivre, Inch'Allah que ça va péter. T'avoue que là c'est grave, on a des sales idées. Rien qu'à m'envoie des messages quand je suis pas là toute la journée. J'ai pas baissé les bras.